Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Lego 2K Drive. On est sur PS5. On va se découvrir ça aujourd'hui. Donc j'ai pas pu vous le faire avant parce que j'ai pas pris l'édition de luxe. Simplement parce que ça vaut 100 balles. Que celui-là, je l'ai acheté, on me l'a pas envoyé. Et que... ouais, on s'en fout. Et que bah j'ai acheté Star Wars et que c'était pas prévu à la base, donc voilà. On va aller tout de suite commencer le mode histoire. En direct d'une grande tour et de plusieurs satellites spatiaux, vous êtes bien sur Megascoop TV. Salut Bricklandia, je suis Embrayage. Et moi Jean-Taliage. Dans l'actu aujourd'hui, toi qui conduis vite, super hyper vite. Tu construis des trucs. Tu détruis des trucs. Et tu convoites ceci. Le trophée céleste. Mais oh non, c'est tout là-haut dans le ciel. C'est pas grave, il y a une course dans le ciel. Le Grand Prix de la Coupe Céleste. Tous les concurrents doivent fournir leur propre moyen de transport jusqu'au stade céleste. Mais pour atteindre le trophée céleste, tu dois battre une bande de pilotes déjantés. Déjantés comme cela. Hé, ils provoquent des accidents. Normal, ils sont déjantés. Des accès, oui. Et bien sûr, tu devras aussi vaincre l'invaincu. Celui qui triche tout le temps, même si on n'a pas de preuves. Le champion en titre et méchant incontesté. C'est moi, Zed le Horrible. Ouh, je vais te réduire en pièces parce que je ne connais rien de toi, mais que je te considère quand même comme une menace directe. Allez, Zed, mange tes briques. Automobilis, ancien pilote pro reconverti en mentor charismatique, qui entraîne des jeunes recrues, ceux qui arrangent tes affaires et celles du scénario. Ça sent le didacticiel. Non. Enfin, peut-être. Mais ce sera marrant. Oh, j'espère. De toute façon, je ne te laisse pas le choix. Alors en avant. Bon. On a un embrayage et Jean-Taliage quand même. Je vais t'emmener chez Mobilis Speedway. Ça commence bien, bon, vous m'en voulez pas, pour mon nez, une fois de plus, là, en ce moment, je suis niqué par les allergies. J'ai fait le maximum pour le dégager et tout, mais ça coule en permanence, en fait, c'est horrible. Bon, par chance, j'ai que ça, comme symptôme. J'ai pas les yeux qui brûlent, etc., comme certains. Bon, c'est bien, vous avez vu, quand on change de surface, ça change de voiture. Alors par contre, petit truc, je vous le dis parce que je l'ai vu, dans les pubs, ça parlait de monde ouvert, etc. Alors, monde ouvert, oui, mais ça fait un peu, alors vous allez me dire, c'est deux types de jeux totalement différents, mais ça le fait à la Dead Island, c'est-à-dire que c'est monde ouvert, mais pas trop quand même, en fait, c'est des zones ouvertes, séparées par des temps de chargement. Par contre, le jeu tourne en 4K, 60 images secondes. On a même un garage où on peut assembler notre propre véhicule. Ça, c'est cool. Et ma petite chouchoute, la tour auto, le QG des opérations. Ne m'oublie pas, je suis Vroom, véhicule robot utilitaire méga cool. Vroom t'accompagnera et contrôlera tes systèmes. À ton service. Aïe, Vroom est un peu déréglé. Je le recalibrerai après cette introduction. Ok, mon pote. Voyons à quoi tu ressembles. Ah, on va pouvoir faire son personnage. Enfin, là, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Donc, on va prendre celui-là, tiens, allez. J'aime bien prendre des filles. Accède à l'équipement dans le menu options. Ok. Allez l'artiste, c'est l'heure de ta première leçon de conduite. Rejoins-moi, je vais t'apprendre à déraper.
Ok, et alors. Suis-le pour rejoindre Otto. Ouais, tout ça c'est du classique. Et si on va dans le menu équipement du coup? Pour l'instant, ouais, on peut pas. Changer quoi que ce soit pour l'instant, ok. C'est normal, c'est le temps de. Et donc là, bah. Ok. Après, on pourra évidemment créer ses propres véhicules et tout. Oula! Oh putain, j'ai dégagé le mec. Salut l'artiste. Apprendre à déraper, c'est bien plus marrant que de faire des créneaux. Viens, je vais te montrer. Eh, on va voir ça tout de suite. On est sur PS5, je crois que je l'ai dit au début, mais bon. Ok, donc en fait, quand on accélère, faut maintenir L2 et tourner pour déraper. Et bah, Zebardi! Ah ouais, effectivement. Effectivement, c'est pas mal. On a la distance de dérapage là-haut. Ouais, ça se prend bien, ça va. Après, c'est un jeu plutôt arcade, hein. Bien joué. Je ne connais personne qui Il y a un gros tuyau là. Libre à toi de te balader. Reviens me voir à la tour auto quand tu auras envie de te mettre à la course. Oui. Bah écoutez, on va pas perdre de temps. Mais ici c'est quoi? Mode histoire. Ouais bah écoutez, on va aller. On va faire ça. Ah c'est ça, d'accord. Je pense que je vous aurais fait une petite coupure puisque j'ai refait une deuxième fois la même épreuve. On va retourner à la tour. Vous avez vu, ça change instantanément. Est-ce que j'ai de quoi aller dans l'eau? Oh oui! Ah, franchement, l'eau est jolie. Hein. C'est stylé. Hein. Change instantanément de véhicule et tout. C'est pas mal. Hop, on va pas trop perdre de temps, on va avancer. Allez l'artiste, on va voir si tu peux battre une légende vivante telle que moi et prouver que tu as l'étoffe pour représenter l'écurie Mobilis. Ouais, t'inquiète. Je te laisserai même piloter ma voiture fétiche, la McLaren. Avec plaisir. Une voiture un peu moins... Oh. Rends-toi à la zone de départ près d'Auto. On y va mon pote. On va se lancer une course. Megascoop TV est fier de vous présenter cette course en direct. Je suis Ambria. Et moi, Chantaliage. Le duo de commentateurs des courses briclandiennes. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur la nouvelle recrue d'Automobilis. Absolument. D'après nos sources, Otto est convaincu que sa recrue va se qualifier pour le Grand Prix de la Coupe Céleste. D'autres informations prochainement sur Megascoop TV. Et n'oubliez pas, si vous êtes prêt pour la course, alors moi aussi. Parfaitement synchro. Mais embrayage et jantaliage, quoi. Ça, c'est... C'est rigolo. C'est des conneries comme ça me fait rire. Mais... On a le turbo. C'est la jauge en bas qui se remplit. J'imagine. Et voilà, on a quelques, vous voyez, quelques trucs à la Mario Kart un peu. Hop, on va mettre un coup de turbo. On peut sauter. Donc ça, c'est cool. Ça fait à la Sonic.
Sonic All-Star Racing, c'était le Transform, il s'appelait. Où il y avait les bateaux, les avions, tout ça, là. C'était rigolo. Et il était meilleur que le dernier, d'ailleurs, je trouve. Ah, il rigole pas, l'IA, visiblement, quand même, hein. Bon, alors, c'est la première course, après, c'est aussi le temps que je prenne en main le bordel, mais... bâtard. Non, non, il rigole pas, hein. T'inquiète pas, j'oublie pas. Ça qui fait remplir la jauge en plus. Bon, premier, mais on a une IA qui s'est quand même un peu battue pour une première course, je trouve, donc c'est pas mal. Bon, on a gagné ça, d'accord. Je sais pas si on va vraiment s'en servir, mais bon. On a gagné un drapeau et de l'argent. On a un système de niveau. Pour intégrer l'écurie Mobilis, l'artiste. Et tiens-toi bien, tu as même gagné un drapeau à damier. Remporte-en suffisamment et tu pourras prendre part aux grandes arènes de Greg. Il y a 3 grandes arènes de Greg. Et si tu les gagnes toutes, devine ce qui se passe. Gagne une voiture en or massif, des batteries gratuites à vie, un chiot. Mais non, on peut participer au Grand Prix de la Coupe Céleste. C'est le plus grand des championnats. Si tu le remportes, tu seras l'élite des pilotes de Bricklandia. Bon, il te reste quelques étapes avant de remporter d'autres drapeaux à damier. On va t'expliquer. Alors après, le jeu... Excusez-moi, je fais un peu de bruit, mon fauteuil grince. Le jeu, il est jouable aussi à deux, hein. On peut faire des courses rapides et tout, comme dans Mario Kart, tout seul. Ok. Vous voyez donc, c'est ce que je vous disais. C'est des zones. Ouais, pour ça, jusqu'ici. Tu découvriras des activités pour te mettre à l'épreuve. Tu as dû en voir une en venant ici. Tu as le choix entre deux nouvelles activités. Chacune est entourée d'un cercle jaune. Se repérer avec une simple carte n'est pas toujours facile. Plaçons un point de repère. Déplace le curseur vers l'un des défis mondiaux en cela pour la démonstration. Allez. En avant. Ferme yes. La carte du monde et on y va. Oh merde. Bon. La flotte est super jolie. En fait, j'aime beaucoup les... Ok. Les effets d'eau dans les jeux. Attendez, on va aller le voir, lui, tiens. C'est une épreuve sur le pouce, ça s'appelle. Ok. Ok. Oh merde. Oh oh. Bon. On fait de l'argent pour un premier essai, c'est pas mal. Et ça permet de prendre un petit billet. Allez, on va aller rejoindre tout de suite. En prenant une mine dans la tronche. On va aller rejoindre tout de suite. L'épreuve. Non, l'épreuve, elle est là. Voilà comment c'est. Ok, en fait, c'est un coup de frein à main carré, quoi.
Et on va... Ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un klaxon aussi, c'est moi qui klaxonne. Hein. Ah ouais, ça répare mon véhicule. D'accord. Hop, c'est réussi. Du coup, quand on réussit, ça le marque sur la carte ? Ah, ça te met ton temps. D'accord. On va aller faire celle-là. Ça change instantanément le véhicule. Oh. Pardon, désolé. C'est pourquoi ? Compris ce qu'il fallait faire. Regarde cet agrément. La commande de virage rapide t'aide à mieux négocier les virages. Ouais, faut aller ramasser ces trucs parce que ce blaireau, il est pas capable de le faire lui-même. On battra pas des records là cette fois. J'ai un agrément pour toi. Utilise la commande de virage rapide pour des virages plus serrés. Plus on a d'agrément et mieux c'est. Allez, plus vite. Allez. Serre-toi de ton turbo. Ouais, bah plus vite, plus vite. Je vais finir dans un bâtiment plus vite, il est marrant lui. Bon. Je suis pas sûr que j'ai fait un très bon temps cette fois, mais... Waouh ! T'as récupéré les agréments stylés ? Arrête-toi au bazar du gorille, cognon ! Et dépense du bruit flouze contre d'autres agréments stylés ! Et d'autres trucs encore. Les jeunes disent encore stylés, et agréments est obligé. Hop, on gagne un niveau. Je sais pas ce que ça donne. Allez, l'artiste. Ah. Répare-toi pour la suite. Ça permet de débloquer la suite. Ok. Et bah allons-y. Poing. C'est rigolo, hein, franchement. Non, on peut pas monter comme ça. On va prendre le pont, c'est pas grave. Il y a plein de petites épreuves, vous voyez, de gens qui sifflent, là. Comme lui, là, par exemple. De quoi vous faire... de l'XP et un peu d'argent. Gorille, un gorille, ouais.
dans notre garage où nous t'accueillons pour construire un magnifique véhicule. Il y a aussi des smoothies à la banane gratuits. Tu peux te servir ? Ah, oh, ça m'a fatigué cette cérémonie d'accueil. Je vais aller faire une pause. Pas de problème, Hugo. Je me charge de la suite. Eh ben allez, charge-toi de la suite. Dans le garage, tu veux que je te montre quelque chose ? Ouais, ok. Petit rappel amical de singe. Tu peux arrêter le didacticiel à tout moment en accédant au menu options. Ok. C'est quoi ta couleur préférée ? On va peindre ton véhicule de cette couleur en un clin d'œil. Ok. On va avoir besoin de l'outil peindre dans la caisse. À présent, sélectionne l'outil peindre. Peignons les parties rouges d'une couleur différente. Je vais te montrer comment sélectionner toutes les briques rouges d'un seul coup. Déplace le petit cercle à l'intérieur du trutron au-dessus de la conseille de pro. Appuie sur sélectionner une couleur. Quand une brique est sélectionnée, tu vois, c'était rapide. Maintenant, changeons la couleur de ces briques rouges. Une belle couleur métallique au lieu du rouge. Ça te tente ? Accède à la page métallique. Transparente, métallique, ok. La couleur sur ton véhicule change. Ah mais là, marron, c'est pas beau. J'adore ! Voilà comment changer la couleur de ton véhicule en un éclair. Ok. Pour sauvegarder ta création, ouvre le menu Options. À présent, sélectionne Sauvegarder. Maintenant que tu as sauvegardé ta voiture, tu peux t'en servir quand tu veux. D'accord. Beaucoup de choses à apprendre dans le garage. Alors attends. Ok. Ouais, dans modifier, j'ai envie d'aller regarder un petit peu. Je veux voir si on peut voir des choses. Déjà. Simple, transparente, métallique, brillant. Métallique, est-ce qu'on peut pas faire autre chose que marron ? Ah oui, non, c'est normal. J'ai oublié de mettre l'outil peinture. C'est de ma faute. Même là, ça fait un peu moutarde. Hein. On peut mettre des éléments comme ça. D'accord. Ah, donc on va vraiment pouvoir personnaliser tout ça. Ouais. Et alors dans construire, on peut faire quoi ? Genre si on sélectionne ça. Alors pour l'instant, j'ai peut-être pas d'autres éléments, donc on va. On peut quand même modifier des éléments. Ok.
On peut même changer les sons, tout ça. D'accord. Je profite, hein, je regarde. Hein, pendant qu'on y est. Ok, bon. C'est perfecto. Yes. Ok. On quitte le garage et on y va. Allez l'artiste, prépare-toi pour la suite. Passe me voir au garage quand tu voudras. Ah si, il y a deux caméras. Ok. Il y a une caméra plus éloignée et une caméra plus proche. Attendez, en fait, il fallait rester là. Bienvenue au garage. Si tu veux construire d'ailleurs, ouais. Qu'est-ce que t'en dit l'artiste? On part pour le compte super. Bien, ce sera rapide. Un peu comme ton voyage. Appuie sur la commande pour afficher la... Te voilà au garage des champs turbo. Les garages sont des endroits spéciaux car tu peux les... Allez, roule. Et donc là, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a une autre zone. Mais on peut pas genre rouler au bout de la map en bas et arriver directement dans le désert. C'est un voyage rapide pour se téléporter de l'autre côté. Donc on n'est pas totalement sur un monde ouvert comme il le disait dans les pubs. Je t'en voudrais pas si tu décidais de t'y installer définitivement. Mais ne te laisse pas avoir par l'ambiance paisible et les paysages de rêve. Il y a des courses partout ici. Les pilotes zigzagent entre les monuments. Franchissent les cascades cristallines. Et foncent à toute allure à travers la ville. Écoute-moi, je sais que tu es capable d'intégrer... Mais pour ta... Allez. Ah, mais laissez-moi tranquille avec la carte du monde. Et place un point de repère. Comme ça, tu trouveras facilement ta première ferme, la carte du monde. Ouais. Moi, on est là. J'ai vu un truc là-bas, sur le cactus. Foutez-moi la paix. Je vais regarder ce que c'est que ce cube là. Voilà. Maintenant, on peut aller faire la course. D'abord, je voulais aller voir ce que c'était que cette brique. Les courses, c'est fun. Et le fun, c'est fun. Jusque-là, on est d'accord. Le fun, c'est fun. On y va. Mais en avion. Bah ouais, en tout cas, ils ont des avions. Oh, le salaud. Allez, hop, dégage. C'est un bordel, hein. Ça vole dans tous les sens. Oh le bordel.
Il y a un sacré bordel à l'image quand même, hein. Mais c'est plutôt fun. Ah ouais, d'accord. Allez, dernier tour. Ce serait bien qu'on arrive à gagner quand même. Désolé mon gars, mais on se met pas au bord d'une piste quand il y a une course comme ça. C'est un peu comme les mecs qui vont au bord des rallyes là. Faut être malade pour aller sur les bords de piste du rallye quand même. Bon, premier. Donc là, c'est un véhicule lourd, d'accord. Gustaviation. Ah bah, Gustaviation. À chaque fois, les jeux de mots sont cool. C'est rigolo. Allez, donne. Tout le monde n'arrête pas de me dire de bosser un peu. Tu devrais peut-être les... Bah ouais, mon gars. Tu as battu ton premier rival. C'est moins bien que de me battre moi. Mais ça t'a valu un drapeau. Je vais ajouter ce drapeau à damier à ta collection. Ça en jette et ça te rapproche de la grande arène de briques du comté des Grands Robes. Encore une chose, l'artiste. Avant de refaire des courses, tu vas devoir prendre du galon pour arriver à la cheville de tes deux prochains rivaux. Gagne de l'XP et monte en niveau. Trouve des épreuves sur le pouce, des quêtes et des défis en parcourant le monde. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. J'ai indiqué les deux prochaines courses sur ta carte. Ouais, faudra être niveau 4, d'accord. Le niveau requis pour débloquer une course s'affiche sur les côtes. Ton niveau actuel ou t'es ouais. Ordre, allez, laisse-moi tranquille. Pour l'instant, ouais, on voit rien d'affiché sur les cartes. S'il y a ça, on va aller voir ce que c'est que ça. Puis après, on va pas tarder à s'arrêter, hein. Bah tiens, par exemple, là. D'accord, fallait juste faire un saut. Bah, allez dire, heureusement que j'ai réussi comme ça, parce que... J'étais... Je suis parti un peu à l'arrache, je me suis pas trop rendu compte de ce qu'il fallait faire. Tiens lui, qu'est-ce qu'il me veut ? Ah ouais, c'est lui, d'accord. Ouais, bah je l'ai fait ça déjà. Hop. Et après, bon, bah, faut parcourir le monde, d'accord. Et qu'on trouve. Merde. Attendez, on va recommencer. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Je maîtrise pas encore bien le système de saut. J'y arrive pas comme ça.
Là, je perds du temps. Ouais, bah là, j'aurais pas l'or, hein. Ah bah si. Bon bah c'était pas très difficile finalement. Allez c'est parti. Oh putain. Il fait nimp le gars, il fait nimp. Ils sont complètement cons ces tours là. On va en faire 3 comme ça. J'arrête pas de klaxonner, c'est quand j'appuie sur le bouton. Je vous aurais fait quelques cuts. Le temps de rechercher les épreuves, tout ça, parce que bon. J'ai un peu tourné en rond du coup. Honnêtement, ça c'est le genre de truc. C'est le genre de truc un peu relou. On va aller voir là-haut. Puis après, on s'arrêtera. Hein. Pardon, les gars. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Dans le doute, on va prendre de l'élan. D'accord. Fallait faire ça. On a des extraterrestres. Attendez. Hop, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va pas aller plus loin. Ça fait déjà une vidéo suffisamment longue. Je vous ai montré quand même pas mal de choses. De quoi vous donner un avis sur le jeu. Enfin, vous faire un avis, pardon, sur le jeu. Tiens, il y en a une là-bas. Là, je sais pas où je suis parti, mais bon. Bon, bref. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.